À ce stade de Safarigo, nos quatre familles participant à l'aventure et restant dans la compétition se sont unifiées en deux groupes. Vous l'avez compris, les violets, les verts, les roses, les bleus. Est-ce que vous avez créé un cri de guerre, un slogan, quelque chose? Les verts, les violets? Oui. Oui. C'est quoi? Un, deux, trois. Objectif Safarigo! C'est propre, c'est net. Les bleus, les roses? Oui. Oui. Non, non. Vous avez un surnom tout d'abord, je crois, non? Les Pink Blue. Les Pink Blue, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, hein. Et le cri de guerre? Allez, avec les Pink Blue, on casse tout! Ouga, 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 ouais! Pas mal! Pour démarrer aujourd'hui, on remet les compteurs à zéro. Plus de tête de serpent, plus de tête de lion, vous êtes à égalité. Premier défi du jour, il s'appelle rayures et taches. Alors, je sais que vous êtes motivés parce qu'un vrai ranger ne lâche rien. On y va? Pour ce défi, les équipes s'affrontent sur un parcours du combattant. Première étape pour les parents, défaire les cordes, récupérer les panneaux et les placer dans une caisse. Ils devront ensuite faire passer la caisse pleine sous le filet, puis au-dessus d'un obstacle, et reconstituer le tableau sur le portique. Pour la deuxième étape, ce sont les enfants qui prennent le relais. Leur mission, ramper dans la cage avec leur drapeau, passer les cordes et le porter ensemble à l'autre bout du parcours. Ils doivent défaire entièrement la corde. C'est la première équipe qui plante son drapeau qui remporte l'épreuve. Il faudra faire appel à beaucoup de force et de cohésion pour les parents qui, pour la première fois, évolueront ensemble dans un défi de Safarigo. Mathieu, ça va? Toujours aussi sûr de toi? Mouais. Mouais? Ah, c'est la première fois depuis le début de Safarigo que je t'entends me dire mouais. Eh ben, faut tester les autres familles aussi, hein. Eh ben oui, alors. Romain, chez les Verts, tu te sens comment? Le puzzle, c'est que mes parents, ils savent très bien en faire, donc je suis confiant. Et attention, pour ce défi, je serai particulièrement vigilant sur chacune des règles. C'est très important, car l'enjeu est de taille, vous le savez. En plus de la tête de lion, vous remporterez eh bien, une sortie exceptionnelle dans cette réserve magnifique avec des animaux toujours plus sauvages. Et petit indice, ça ne se fera ni à vélo, ni à cheval, ni en jeep. À pied. Un dos d'éléphant. Ne réfléchissez pas trop, ce n'est pas le moment. Allez vous mettre en place, le défi va démarrer dans quelques secondes. À tout de suite. Un défi important pour les familles unifiées. Les enfants les attendent de l'autre côté. On y va pour le cri de guerre. Les violets, les verts. Objectif les bleus, les roses. Avec les pink blues, on casse tout. Ils se sont ratés. Vous êtes prêts? Prêts. 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 Safari! Go! Go! C'est parti pour les parents qui se lancent dans ce premier défi sous les encouragements de leurs enfants. Première étape, dénouer les ficelles pour récupérer les panneaux sans perdre de temps. Les roses et les bleus dans la précipitation. Vas-y, là, ici, non, celui-là! Celui-là, celui-là! C'était celui-là! Les verts et les violets dans le calme. Tu les récupères, ma foi, ou pas? Super, en fait. Les deux équipes se coordonnent chacune de leur côté. Non, non, je l'ai fait. Super, Fat. Tiens. Vas-y, jette. Ouais, allez. Cédric et Nicolas rassemblent les panneaux et entament la seconde partie du parcours en même temps. Les Pink Blue, les Pink Blue, on casse tout. Les Pink Blue, on casse tout. Les Pink Blue, on casse tout. Les violets. Allez les parents, vite! Ouais allez! Les Pink Blue! Les Pink Blue! Les Pink Blue! Les Pink Blue! Ouais allez! Les bleus et les roses sont les premiers à se jeter dans les filets avec leurs caisses, suivis de très près par l'équipe adverse. Vas-y, vas-y, vas-y! Allez! Allez! Alors que Nicolas et Vincent donnent leur maximum, la situation se corse chez les verts et les violets, stoppés dans leur élan par Fuart. Attendez, j'ai perdu mes lunettes. Je les retrouvais plus et je me suis dit, si je ne trouve pas mes lunettes, c'est mal parti parce que je vois absolument rien. Allez maman, relève-toi. Enfin les deux maman. Les roses, les bleus ont un petit peu d'avance. Allez, oui, allez, vite. Allez, c'est bien. Continuez comme ça.
Et pendant ce temps, eh bien, les verts et les violets prennent du retard. Tiens, tiens, je les ai. Allez, c'est parti. Allez. 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 Il y a 100 kilos dedans. Allez. Un, deux. Allez, les verts, plus vite. On ne lâche rien du côté des verts et des violets qui doivent à tout prix rattraper l'autre équipe. Déjà en place sur le pont en bois, les bleus et les roses font preuve d'une sacrée cohésion d'équipe. Mais ils doivent aussi faire preuve de force car la caisse est très très lourde. Allez-y. Oui, allez, vite. Allez, go. Allez, go, 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 les verts. Allez, 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 allez! Allez, elle ne fait pas tomber, allez-y! Un, deux, trois! Allez, lâche tout! Allez, les bleus! Lâche tout! Lâche tout! Toujours en tête, les bleus et les roses arrivent au bout du parcours et s'apprêtent déjà à reconstituer leur tableau rayures et taches. C'est très difficile là pour les verts et les violets. Ils ont pris un petit peu de retard, alors que l'équipe en face, eh bien, est déjà en train d'installer le tableau. Regardez. Il faut désormais être tactique et visualiser les planches pour mieux les disposer. La girafe, je crois qu'elle est en haut puisque c'est la tête, elle est longue. Ouais, la première. C'est le haut là-bas. Ah là, c'est bon, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est bon. Ouais. Première planche posée pour les bleus et les roses. Chez les verts et les violets, on s'active. Vas-y. Allez, girafe. Pas de pression. Allez, allez, allez. Ça, c'est la première. Faut un lion. C'est pas la première. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas la première. C'est le lion. Deux stratégies. D'un côté, on a reconstitué le tableau d'abord au sol. Et de l'autre, on reconstitue le tableau directement sur le sol. Non, c'est girafe, ça. Non. Il est mal pris. Mais non, pas ça. Mais arrêtez de tout mettre. Non, c'est girafe, ça. Là, il est là. C'est ça, là. Il est là. Mais non, là, il est là. Chez les bleus et les roses, la précipitation entraîne un vrai cafouillage. Impossible de reconstituer correctement leur tableau. Une perte de temps qui profite aux verts et aux violets. Le bas du zèbre. Plus réfléchi, leur tableau prend forme doucement, mais sûrement. Là, j'ai le haut du zèbre. Roule. Non, mais ça va dans le champ. Encore un. De l'eau, là. Je l'ai, maman, je l'ai. On a pris de l'avance. Il y a encore une pièce. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour les violets et les verts qui avaient pris du retard et qui, là, sont en avance. Là. Là-bas, au bout. Nous en avons oublié une. Et là, le drame. On a oublié une. Voilà. Et quand on est aperçu, ben, il faut toujours bouger de place. Là, il faut décaler. C'est bien. Vite, enlève ça. Attends. Non, attendez. C'est pas bon, ça, c'est inversé. Hop. Attention, les enfants, violet, vert. Vite. Allez. Vite. C'est bon. Je valide. Go, les enfants. Les verts et les violets passent le relais aux enfants qui récupèrent leur drapeau et entament la deuxième partie du parcours. C'est bon, passe. Allez, tenez. Chez l'équipe adverse, les parents sont toujours en galère. Les planches sont quasiment toutes posées, mais dans le mauvais ordre. Et les enfants paniquent. Ce qui nous a fait perdre du temps, c'est le pulse, parce que je pense qu'on était tous dans le rouge. On voyait plus trop très bien. La poussière, la pression, le stress, et puis on est allé trop vite. C'est bon, on a fini. C'est bon. C'est bon, là, on rentre pas. Allez, c'est bon. Je valide, go. Allez. Vas-y, tais-toi. Allez, Romain. Attendez tout. Romain. Attention, sur la corde. Mathieu. Les enfants continuent la progression. Les quatre enfants dans la cage, je le rappelle, c'est obligatoire. Allez, Romain. De la terre à la sortie et des crottes à l'entrée, il faut aller très très vite, il faut creuser, plus vite les enfants, plus vite! Allez Mathieu, les garçons! Bravo les enfants, bravo! Allez, très bien! C'est bon! Passe-le, tout ne passerait pas! Pardon Mathieu! Allez! Voilà, Mathieu était tout seul à creuser, vous l'avez vu dans le premier couloir, et les enfants étaient deux ici, du côté des violets et des verts. Le stress de la compétition gagne Mathieu, qui se précipite et oublie une règle essentielle du jeu. Mathieu, reviens. Il faut... J'avais dit qu'il fallait transporter.
Comme les verts et le violet, il fallait transporter le drapeau. Il faut repartir à la cage. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. C'est bon. Mais il lui a dit, le médecin lui a dit porte-le. Et il a pas écouté. Et ah. il lui a dit faut porter. Et il a continué. Il pouvait être tout seul, mais elle portait pas. Ah, ah, il a traîné. Et il a traîné, donc. Ok, c'est bon. Mais ça lui apprendra, Mathieu, de toute façon. Et oui, on lui apprendra à écouter. Quelques pas en arrière pour les bleus et les roses qui paient les frais de l'erreur de Mathieu. Voilà, c'est parfait. Effectivement, j'avais bien dit de transporter le drapeau et non pas de le tirer. Bravo. Mathieu, faut passer en dessous. Les verts et les violets, vous y êtes presque. Il vous suffira ensuite de poser le drapeau sur le tréteau. On ne fait pas traîner le drapeau, on le transporte, je le rappelle, c'est important. La pression monte pour les familles, l'écart se resserre entre les deux équipes. Allez, on est quasiment à égalité là, quasiment. Allez, 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 allez. Allez, en effet. Allez, 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 allez. Et lorsque les voiles seront au vent. Allez au bout. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, on défait le drapeau. Allez, 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 allez. Vous avez gagné. Les verts, les violets, vous avez gagné. Ouais, je suis assez contente et que c'est un travail d'équipe ce qu'on a fait. Inès, fais un bisou. Ouais, ma puce. Objectif réussi. Ouais, ouais, c'est voilà. Normal. Hein. Je crois qu'on a réussi à mettre à profit la force, le dynamisme des verts. Et on a réussi à prouver que même si physiquement on n'était peut-être pas aussi bon que l'Alliance en face, on était capable de rivaliser d'une autre manière. On a quand même bien rattrapé. C'est pas grave. Non, c'est bien. Moi, je suis fière d'eux parce qu'ils ont tout donné. Ils ont fait le meilleur de soi-même. Voilà. D'eux-mêmes, pas soi-même. D'eux-mêmes. Voilà. Ah ben. Mais c'est bien, en fait. C'est nous qui étions en retard. C'est pas grave, vous étiez... Mais bien joué. Les violets, ils sont forts dans la sérénité, et ils vont toujours faire ça très bien et proprement. Alors que nous, on est un peu plus... plus des bourrins, dans la force, quoi. Et voilà. Ouais. Et puis les verts, ils sont très costauds aussi, donc ils sont physiques. Donc, en fait, je pense que les deux équipes réunies sont très complètes. Vous avez promis un défi impressionnant relevé à la fois par les parents et les enfants. Eh bien, chose promise, chose due. On a vécu un vrai beau et bon moment dans Safari Go. Bravo à vous, les parents, les enfants. Beau match. Je vais avoir, pardon, les bleus et les roses, mais le privilège d'annoncer aux violets et aux verts qu'ils décrochent leur tête de lion. Bravo. Bravo les violets, les verts, les enfants. Venez me rejoindre tous les quatre. Pour eh bien, que je puisse placer sur votre bâton unifié, cette tête de lion, franchement, bien méritée, vous vous êtes battus. Retournez-vous face eh bien, à vos parents, justement, qu'ils soient fiers de vous. Nathan, heureux ? Oui. Alors, c'était bien, non ? Oui. Vous êtes battus, vous avez tout donné. Et je dois dire que je suis fier de vous, hein. Vraiment. Hein. Théo, heureux ? Très content. Inès, tu te sens pas toute seule? T'es la seule fille du groupe. Maman, je me sens pas toute seule. Elle a bien servi sur la corde. Ouais. Travail d'équipe. Vous avez respecté les consignes et ça, c'était important. Je vous félicite. Allez rejoindre vos parents qui ont le sourire. Il y a de quoi. Alors, vous avez remporté deux choses. La tête de lion, tout d'abord. Et puis un safari exceptionnel. Une nouveauté dans Safari Go. Cette fois, pas de jeep. Pas de cheval, pas de vélo, pas de scooter, pas de quad. Non, vous allez y aller à pied. Ainsi, eh bien, les animaux ne vous entendront pas. Vous serez encore plus discret.
et vous pourrez voir encore plus de choses. Des sensations exceptionnelles. Kim, vous allez en prendre plein les yeux. Ouais. Non, je pense surtout aux lions. J'espère peut-être pas trop qu'on les croisera. Plein de surprises vous attendent. Vous avez remporté la tête de lion. Détendez-vous, reposez-vous. Dans un instant, la cérémonie du Boma, mais je voudrais bien sûr avoir le débriefing des bleus et des roses. Nous, on veut féliciter vraiment les enfants, parce que c'est notre faute, là, en fait. On est arrivés, les parents, à la bourre. Je suis pas très douée en puzzle, manifestement. Donc, non, on a loupé. On était en avance, en fait, sur tout le parcours. Ouais. Et puis après, puzzle, voilà. Du coup, ça leur a donné un petit peu, donc, ils ont été courts, après, ils sur le... Ils ont quand même rattrapé le Ils retard, ont quand même rattrapé, donc... Mais bon, c'est pas grave. Ils sont arrivés à deux doigts, on va dire. Voilà. Et c'était une belle course. Il fallait un gagnant, un perdant. C'est pas grave, je suis même pas perdant. T'es arrivé deuxième. On est premier, mais à l'inverse en fait, en partant du bas. Donc on est toujours premier. Tout dépend comment on met le sens. Vous vous rattraperez pour la cérémonie du Boma. Je vous le souhaite, les roses et les bleus. Deux groupes que nous allons retrouver bien sûr pour la cérémonie du Boma, mais après avoir offert le lion au violet et au vert, il en va de même pour les roses et les bleus, mais cette fois. Eh bien, c'est une tête de serpent que je vais mettre sur votre bâton. Deux têtes de serpent, même. Les enfants, venez me rejoindre avec le sourire, s'il vous plaît. Titou, un sourire, ça te va tellement bien. Allez, regarde. Titou, j'ai l'impression que tu es un petit peu contrarié. Je t'ai jamais vu comme ça. Non ? Hein ? T'as un peu la tête rentrée dans les épaules, quand même, non ? Si. Un petit peu, non ? Tu vas te rattraper sur le Boma ? Bon, je suis fier de vous, quoi qu'il arrive. Allez rejoindre vos parents, à tout à l'heure. Merci. Ouais, c'est bien. C'est bien, allez-vous.